Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va me permettre d'apprendre à utiliser l'outil étiquette de données dans un graphique. Du coup, ce que je vais faire, je vais d'abord créer mon graphique. Je vais sélectionner toutes mes données. Là, je sélectionne toutes mes données. Je vais dans insertion, création d'un graphique. J'ai créé mon graphique. Là, j'ai mon graphique créé. Une fois que j'ai fini de le créer, du coup, là, je me mets sur le graphique, dans création de graphique. Là, j'ai ajouté un élément au graphique. Je choisis l'outil étiquette de données. Et là, j'ai plusieurs options. Comme la définition l'indique, ça permet de faciliter la compréhension de graphique car il affiche les détails sur une série de données ou les points de données individuelles. Du coup, là, disons que j'ai pas d'axe principal. Du coup, j'enlève ça. J'ai une idée sur les informations, mais j'ai pas d'idée précise en fait. Par exemple, sur les ventes au mois d'octobre, ce que je peux faire, c'est venir ici, étiquette de données. Je rajoute, je vais les mettre, je peux les mettre où je veux, hein, mais je vais mettre extérieur, par exemple. Et là, j'ai des informations précises en fait sur les ventes. Par exemple, je sais qu'au mois d'avril, on a fait 248. Et au mois de novembre, on a fait 327. Du coup, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction.